Vous êtes programmé au Babel Med Music ce soir. Quel va être l'esprit de votre concert ce soir? Ah ben surtout la synthèse de tous ces albums dans le temps jusqu'à aujourd'hui. On va essayer. On n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de musique là-dedans, il y a beaucoup de disques, n'est-ce pas? Mais les chansons qui sont dans l'oreille des gens. Qu'est-ce que vous avez sélectionné? Oh, ça je dirais pas. Je dirais pas. Non, 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 il ne faut pas le dire. Ah non, il y a pas mal de musique qu'ils savent très bien, ils connaissent par cœur, mieux que moi des fois, parce qu'on a le répertoire et après on fait attention qu'il y a des gens qui disent « Ah non, j'ai vu Cachèche !» Alors il faut jouer Cachèche. Alors parlez-moi de l'actualité de Banga. Ah ben l'actualité, on est en train de voir et d'assister, qu'on monte doucement, on monte doucement, mais ça monte. Vous n'êtes jamais descendu? Ah ça, il faut pas. Il faut pas, c'est un mauvais signe. À ton descend, ça va pas bien. Non, non, il ne faut pas descendre. Et la thématique, ce qui importe pour Banga, les Oh, thèmes qui sont à chanter. ah, le thème d'actualité, le thème d'hier, qui sont des exemples pour aujourd'hui. Par exemple, Oracote, que c'est un exemple, n'est-ce pas? Les vieux sont toujours là. Ces espèces d'encyclopédies d'informations, n'est-ce pas? Et qui sont là pour dire que notre musique nous appartient, et elle est là, en force, que nous sommes toujours avec nous, les parents de la samba brésilienne. Et que l'originalité doit préserver. Alors là, moi, j'ai plaisir de préserver cette originalité-là de la musique africaine spécifique de l'Angola. Ah, c'est bien. Vous avez été amené durant votre carrière à rencontrer plusieurs fois Cesária Evora. Ah, bah oui, comment? Un mot de Cesária Evora. Oh là là, là là, hier encore, j'ai chanté un truc à Montpellier fantastique. Les gens s'est mis tous debout pour saluer et sentir la présence de cette grande dame du music hall africain. Et de Cap Verde en particulier. Ok, monsieur. Merci. Merci à vous. Merci, mon gars. Sí.
Tu juste, raconte-moi ta musique. Il me dit, ma musique, elle raconte des histoires d'humains. Il n'a pas dit d'histoire de race, de frontières, de pays, de culture, des histoires d'humains. C'est-à-dire des histoires qui parlent des hommes de fer, des bleus, des rouges, des blancs, des noirs. Et c'est pour ça sa musique. Elle est juste une histoire humaine, universelle. Et c'est donc un énorme plaisir et un honneur pour moi de pouvoir tenir ce prix que le Babel Mel Musique remet à Bonga. Et quand dans une de ses chansons, il parle de cet homme qui arrive parce qu'il a été en Occident et qu'il a le costume cravate comme les Occidentaux et qu'il vient brimer, voir, regarder avec connaissance ces gens, les gens de son pays, ça me renvoie à une chanson de Fela Nicolas Pocuti, Mr. Dacleman. Ça raconte les mêmes histoires. Les histoires sont universelles. Bonga, c'est avec plaisir que je voudrais te remettre ce prix du Babel Mel Musique au nom de ce public qui t'aime pour ta musique. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à vous.